Salut les mecs, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo avec le fameux buggy. Les amis, regardez, là on l'a garé, il est garé, tu vois, bien, bien, on a fait une petite place, 100 euros à l'année, c'est propre. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Franchement, je trouve ça plutôt pas mal, pas cher, ça prend pas trop de place. Putain, là, la marche arrière qui a mal tourné, frérot. Non, je suis trempé. Non, oh putain, non. Et t'es pas mouillé toi? Oh bâtard! Non, j'ai pris une vague! Oh non, c'est une blague! Attends, y'a de la merde! C'est quoi ce chemin? Oh, je suis trempé, non! Oh, 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 oh. C'est quoi ton chemin? Oh putain! Oh putain! Oh là, ça bombarde! On va prendre le mur! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était quoi ça? On a failli se retourner. Oh putain, je suis trempé. Non, je me suis pissé dessus. Putain, mais il y a des trucs qui volent. Eh là, ça c'est filmé hein. On sent qu'on peut le libérer. Il est bridé. Et oui les amis, donc là je vais vous parler pendant deux petites minutes de Care Vertical. Donc Care Vertical c'est quoi? Je vous en parle dans plusieurs des vidéos. Et voilà, c'est une marque avec qui j'aime bien travailler parce que leurs services sont de qualité en fait. Care Vertical, ça vous sert tout simplement lorsque vous voulez acheter un véhicule ou une moto par exemple, parce que maintenant ils font les motos et c'est pour ça que je vous en parle. Et du coup ça va vous permettre directement avec le VIN, donc le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation, d'avoir le relevé historique de la voiture ou de la moto. On se rend directement sur le site pour voir ça. Donc là les amis, on est direct sur le site de Care Vertical. Donc dans la description, vous pouvez cliquer directement sur le lien, au moins vous allez bénéficier d'une réduction lors de l'achat de votre rapport. Donc là voilà, il y a tout simplement tout le site, voilà, vous voyez ce que ça peut vous permettre de voir. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent parce que s'il y a quelque chose sur le rapport, vous pouvez négocier le prix carrément avec ça. Vous pouvez voir qui parle de Care Vertical, qui recommande Care Vertical, voilà, tout ce qu'ils font pour la planète, voilà, tout ça. Bref, moi je vous mets directement sur un rapport moto, vous allez voir, on va pas parler 50 ans. Quand on se met sur un rapport moto, ça permet de voir le kilométrage, si elle a été volée, si elle a été endommagée. Nous, c'est ce qui nous rassure pour une moto et pour une voiture. Si vous avez comme moi à peu près 18 ans, vous voulez acheter votre voiture, prenez le rapport, ça coûte une vingtaine d'euros, avec la promotion vous allez le toucher moins cher et ça vous permet d'être sûr d'acheter une moto ou une voiture clean. Je vous montre ce que ça montre tout simplement. Donc là on peut voir tout l'historique de la moto, en fait comment ça fonctionne avec les assurances et la police. En fait Care Vertical a un réseau, ce qui permet de récupérer toutes les infos sur les voitures et les motos. Donc là voilà, dans tous les pays allez checker. Là on a la courbe kilométrique, toujours important de bien regarder que le kilométrage n'a pas été modifié, tu vois. Là la courbe elle est bien droite, tu vois, tu passes pas de 10 000 à 5 000 puis 20 000, tu vois, il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est là qu'en fait j'ai pris un rapport où il y a un problème parce qu'il y a un dommage, je vais vous montrer pourquoi. Donc tout simplement regardez, on peut voir d'ailleurs le prix, mais regardez cette moto, en fait elle a été accidentée. Du coup souvent c'est les photos de l'assurance qui sont communiquées. Regardez cette moto, c'est une YAM en plus, elle a pris tarif de ouf, genre fourche cassée complètement, bras oscillant, il est encore ensemble, mais genre l'avant a tapé, frérot. J'espère que le mec a eu rien de grave, mais voilà, ça te permet de voir ça, ça te permet de lister toutes les infos de la moto dans tous les pays sur lesquels Care Vertical est présent. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à profiter de mon offre chez Care Vertical. Voilà, vous avez une réduction avec le code promo qui est dans la description. Si jamais le rapport que vous prenez sur une moto, sur une voiture pour vous n'est pas complet et qui n'est bien sûr pas complet, vous pouvez demander à Care Vertical en leur envoyant un message de vous renvoyer un rapport. Ils vont vous envoyer un crédit gratuitement qui va vous permettre de vérifier une autre moto ou une autre voiture totalement gratuitement. Voilà les amis, on retourne à la vidéo. Tous les liens sont en description. Oh là, ça va être... Oh, 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 oh. On était pile là il y a une semaine. On était là-bas il y a une semaine. On a dit on allait acheter un buggy.
Une semaine après, il est là. Oh putain. Mais je vois pas les trous. Accroche-toi bien. Hein. Bah ça va, il tient bien, il résiste. Oh putain. Oh, je les avais pas vus les trous. Ah là, il y en a, là, il y en a. Oh, oh. Faut mettre mamie là-dedans et hop. Bon les amis, j'espère que vous voyez bien. Oh putain. J'essaie de vous nettoyer en même temps. Ah là c'est drôle. Oh putain. Oh putain. Et en moto c'est... En... Oh, oh. En moto c'est plus petit. Bah techniquement c'est fait pour hein. Eh hey, résiste bien hein. Ouais. Bah c'est fait pour non. Bah ouais. Bah ouais. Mais là moi tu vois j'en voudrais que dès que j'appuie et je gaze on drift. Ça ça serait drôle ça. Avec un moteur de GT turbo. Je vais mettre un turbo. Oh ouais. Oh ouais non là il y a des trous. Là je sais qu'il y a des trous à mort. Où est le fossé? Où est le fossé? Vas-y, fais le klaxon. Il y a des trous. Hein? Il y a des trous là. Bah il tourne plus. Il est bizarre là, non? Arrête-toi. Hein? Arrête-toi. Arrête-toi, Fred. Il tourne plus. Bah non. Il y a des trous dans le carbu là. Ah merde, bah super la balade. Bah c'est quoi ce bordel? Il y a de l'essence, il y a pas de... Bah là on va plus avancer du tout là. Ah merde. Mais pourquoi il fait ça? Oh non, j'ai trop le seum. Bah non. Allez. Bah wesh, c'est quoi ce bordel? Y'a pas une bride? Pourquoi il prend pas les tours? T'as peut-être trop resserré non? Ce que t'as resserré ça l'a pas bridé. Ouais vas-y va voir. Allez ciao. Oh la route quoi. Attends arrête toi. Bah ouais c'est bizarre. Oh non. Voilà assistance. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas mal tourné. Aïe.
I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man.